Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc c'est avec grande émotion que ce soir nous présentons sur cette estrade devant ce magnifique public. Nous profitons de cette occasion pour remercier donc notre nouveau maître directeur de chœur Mathieu pour nous avoir choisi et de vouloir entreprendre cette belle aventure ensemble. Mathieu est très jeune et il a un enthousiasme et une passion pour le chant choral. Et donc, pour nous, c'est une grande fierté de commencer avec lui ce magnifique parcours. On vous a demandé des applaudissements, on vous demandera un nouvel applaudissement, puisque nous devons remercier énormément Madame Ornella Manella, qui nous a suivis pendant la période de transition, et c'est elle qui nous a présenté Mathieu. Donc merci Ornella, de tout cœur. Donc c'est seulement depuis 2 mois et demi que Mathieu est avec nous, et nous vous présenterons donc le répertoire que nous avons choisi. Mathieu est en train de se diplômer en accordéon au Conservatoire de Parme. Il a suivi des cours de composition et maintenant donc, il commence cette aventure de directeur de chœur. Pour cette assemblée de chant choral, nous avons choisi comme thème les saisons. Les saisons puisque pour nous, à Valle d'Aoste, c'est quelque chose de magnifique. Nous avons tous les jours sous les yeux un ciel adorable, des panoramas que tout le monde nous envie. Et donc, pourquoi ne pas chanter les saisons? Le premier chant que nous vous présenterons ce soir a comme titre le chant des saisons. Les paroles et la musique sont du compositeur québécois Rémi Gagne et l'harmonisation est de François Provencher. Les 4 saisons sont ici présentées suivant les étapes de la vie. Un nouveau-né donne à sa mère son premier baiser, le printemps. Le vent léger porte l'amour à la fleur oubliée. Les fiancés s'en vont bâtir le foyer tant rêvé, l'été. L'espoir des riches moissons, c'est l'automne qui comble des dedans les hommes. Enfin, en hiver, quand l'écho des bois a oublié les guerres freins des enfants dispersés, les nids des oiseaux se balancent dans les arbres décharnés et le ruisseau sans romance sous la neige va pleurer. La partie où le chant explose, le texte déclame l'arrivée de l'été avec un grand merci au bon Dieu. Dans ce chant, la nature est souveraine et nous vous invitons à redécouvrir les images, les sensations et les émotions que les saisons ont gravées dans vos souvenirs. Bonne écoute. Tu es prolifique,
Thank you.
Et nous voilà déjà au dernier chant. Le compositeur, vous le connaissez sûrement, c'est Joseph Beauvais, qui est l'auteur aussi des chants des Oignons et du Vieux Chalet. L'auteur est suisse, c'est un ecclésiastique, compositeur et chef de chœur. Sa fonction de maître de chapelle l'a amené à écrire un grand nombre d'œuvres religieuses en français, en patois aussi, en latin. Mais c'est principalement à ces œuvres profanes que l'abbé Beauvais doit sa notoriété. Dans la fanfare du printemps, donc notre dernier chant, la joie de la nature qui se réveille est exprimée par les voix qui s'entremêlent, comme pour représenter les ramages des oiseaux qui chantent au soleil, le retour de la belle saison. Monsieur le printemps arrive avec solennité, en passant auprès des bois et des sapins verts, et partout dans l'univers, on n'entend plus que les cris et les chants de la bêté. Bien sûr, nous l'invitons à arriver le plus tôt possible cette année. C'est une invitation très forte. Avec donc cet hymne au printemps, nous vous saluons et nous laissons la place au cœur Saint-Ours. Nous en profitons pour remercier tous ceux qui ont travaillé pour la bonne réussite de cette assemblée chorale. Et merci à vous tous. Et bientôt par
Le visage soleilleux, les yeux qui se passent, les enfants émerveillés.